Good Luxe Paris, le must. Et le must aujourd'hui, c'est de s'offrir le parfum d'Arielle Dombasle. Arielle Dombasle, bonjour. Bonjour. Comédienne, chanteuse, réalisatrice et désormais donc créatrice de parfums. Vous avez été aidée par Robin Schlang, bonjour. Bonjour. PDG et cofondateur de L'Orience Paris qui crée notamment les parfums pour Montbussin. Et donc ensemble, vous venez de sortir Le Secret d'Arielle. C'est donc le vôtre, Arielle Dombasle. Ce parfum-là, c'est véritablement le vôtre puisque c'est vous qui l'avez imaginé, créé pour vous. Pourquoi vous aviez envie de le faire partager? Écoutez, oui, ça fait... Je porte ce parfum depuis 15 ans. Je portais un savant mélange que je faisais donc de mes blanches mains et à base de musc blanc très fleuri. Et tout le monde me disait toujours, mais ton parfum, tu sens bon, qu'est-ce que c'est? Je disais, c'est mon secret, c'est ma formule. Et puis je me suis dit, la demande était telle, oh, dis-nous ton secret. Je me suis dit, eh bien, ce parfum doit voir le jour. Et donc, ça a été un parfum pour moi, c'est quand même la chose, c'est une chose essentielle dans la vie. Je pense que c'est comment dire, c'est la signature d'un être, le parfum. Et je pense que toutes les voluptés commencent toujours par le parfum. Et justement, c'est difficile peut-être de partager cette signature qui est la vôtre. Non, parce que je crois que c'est comme une alchimie, c'est comme un secret qui à un moment donné doit être partagé parce que c'est bon, c'est comme une formule magique. Alors ce que je voulais, c'est un peu comme dans le livre Le Parfum. Ah, de ce skin. Voilà, de ce skin. C'est-à-dire trouver un espèce d'élixir d'amour. Et c'est en ça, vers là, que nous sommes allés. Alors, j'ai vu beaucoup de monde pour connaître ce qu'est l'art du parfum. Donc, la coupe des fleurs, la macération, les alambics, l'évaporation. Et puis, tout le monde me disait, mais oui, mais ce parfum, à un moment donné, tu dois le faire, mais comment? Et donc, j'ai rencontré une petite jeune fille qui travaillait à la coupe des fleurs, qui s'appelle Anaïs, une débutante. Et puis, je me disais, mais qui va pouvoir réaliser ce parfum? Et j'ai eu la chance de tomber sur un orfèvre, Montbussin, qui m'a dit, mais écoutez, moi, je vais vous présenter la personne qui peut réaliser votre rêve, et je suis d'accord pour donc sortir votre parfum. Et la personne, c'est donc Robin Schlang, qui lui a cette merveilleuse industrie du parfum, L'Orience, et qui a pu recréer dans ses laboratoires le fameux secret d'Arielle. Et alors, ça n'a pas dû être chose facile, parce que d'habitude, effectivement, vous avez des prix, j'imagine, quand vous travaillez avec la maison Montbussin. Alors voilà, tu vas nous faire ci, ça, on veut raconter telle histoire. Là, Arielle Dombasle arrive avec « Moi, je sais déjà à quoi oui. ressemble ce parfum. Je connais déjà, justement, sa fragrance. » Alors, comment on travaille quand on a un petit peu comme ça les choses à l'envers, Robin Schlang? Moi, j'aime bien avoir les choses à l'envers, mais... Arielle est venue me voir, elle avait son parfum dans sa salle de bain, oui. alors qu'il n'était pas stable à chaque fois, elle avait du mal pour retrouver la même odeur. Oui. Donc quand on a un parfum, on le prend, on fait ce qu'on appelle une chromatologie. On dit, un parfum, c'est une somme, tout ceci. Voilà, un parfum, c'est une somme de matières premières, à des dosages très très précis. Et donc on a reconstruit ce parfum avec Arielle, on a fait plein d'allers-retours pour retrouver exactement l'odeur qu'elle voulait. Ça a mis un an. Mais il faut dire que j'ai eu de la chance de tomber sur Robin, qui est parti dans cette aventure de manière très généreuse. Parce que moi, je voulais vraiment un parfum de très grand luxe, ce qui fait que les matières premières, je ne voulais pas des produits de synthèse et des mauvais arômes. Il fallait vraiment que ce soit les fleurs les plus précieuses. Et il m'a suivi. Là, on a fait un parfum qui est un vrai élixir. Je l'ai suivi parce que l'histoire m'a charmé. Ce parfum avait déjà une histoire avant de le commencer. Oui. On s'est fait confiance. Et donc la fameuse Anaïs Saint-Amand. Voilà, Anaïs Saint-Amand. C'est ça qui a travaillé, c'est le nez qui vous a aidé aussi à travailler dans cette histoire. Donc un an pour réussir. Est-ce qu'aujourd'hui, j'imagine que oui, s'il est sorti, c'est que vous avez pu retrouver le parfum de votre salle de bain, Arielle Dombasle? J'ai retrouvé le parfum, le fameux mélange, grâce à Robin, parce qu'on a analysé moléculairement ce que j'aimais. C'est quelque chose de très subtil.
Et puis après, on a amélioré, stabilisé. C'est toute une élaboration, c'est de l'alchimie. Mais en même temps, je pense que c'est le parfum, c'est depuis l'Antiquité, c'est entre ciel et terre, c'est quelque chose de très important. C'est une note, une touche essentielle de la vie. On dit, Coco Chanel disait, une femme sans parfum est une femme sans avenir. Mais il faut dire aussi que le parfum, c'est vraiment c'est le domaine de l'envoûtement, de la séduction. Et moi, je voulais vraiment faire un filtre d'amour. Eh bien, voilà, que vous partagez. Romain, je sens que c'est rare. Alors, non seulement, on le racontait à l'instant, vous faites les choses, vous avez dû faire les choses à l'envers, mais pour un autre challenge, une autre aventure. Mais de surcroît, en France, autant aux États-Unis, beaucoup de personnalités sortent leur parfum. En France, c'est plus rare. Finalement, ce sont surtout des marques. Est-ce qu'on travaille de la même façon, justement, quand on travaille pour une marque, qu'on travaille pour une personnalité? Bien sûr, on est parti déjà, Ariel n'est pas l'égérie du parfum. C'est ça. Créatrice du parfum, c'est ce qu'elle avait envie de faire. Laurent, quand on travaille avec Ariel, ça se passe très bien, parce qu'elle est très très sympa, très lumière. Alors même jusqu'au bout, hein, bien sûr on a parlé de la fragrance, mais jusqu'au bout, le flacon et tout ce qui l'accompagne. Nous avons tout fait ensemble, parce que je voulais vraiment réaliser quelque chose de totalement unique, un objet très très précieux et quelque chose qui dépasse le temps. Pour moi c'était essentiel, c'est quelque chose, je pense, du domaine du plus grand luxe que de pouvoir... D'ailleurs, c'est un flacon en cristal. C'est un flacon en cristal et pour ça, Robin a été vraiment, vraiment adorable parce que je voulais vraiment un bouchon en or mat, du cristal taillé. On a pris un cristallier pour tailler tout ça, pour faire vraiment quelque chose qui serait absolument unique. On ne peut pas rivaliser avec les grandes marques. Il fallait faire quelque chose qui soit totalement singulier, unique, c'est comme un secret d'alchimie. Mais elle sait tellement ce qu'elle veut, Ariel, que c'est facile de travailler. Ce qu'on veut. Il ne vous reste plus qu'à trouver, quoi. C'est un petit peu ça. Voilà. Du coup, on arrive vraiment à quelque chose de très luxueux. Vous venez de nous expliquer pourquoi. Je crois que c'est 240 € les 15 millilitres. Du coup, j'imagine que le circuit de distribution n'est pas non plus le circuit habituel. Bien sûr. On est en vente dans toutes les boutiques Montboussin. On a la chance d'avoir 60 points de vente en France. Puis après, petit à petit, on fait notre chemin. On est référencé chez Harrods à Londres, etc. Voilà, à qui il s'adresse ce parfum, Ariel Dombasle? Ce parfum s'adresse à toutes les amoureuses. Il s'adresse aux femmes qui veulent enjôler, envoûter leur fiancé à tout jamais. Parce que... À toutes les femmes, finalement. Il y en a beaucoup qui ont ce souhait d'éternité, qu'on vous soit attaché à tout jamais. Et ça passe beaucoup par les sucres, les arômes, ce que l'on dégage, le sillage. D'ailleurs, on n'a même pas donné, parce que c'est difficile en télévision, en radio, de faire passer, mais quelles sont les notes de tête, les notes... Alors, c'est un fleuri musqué. Moi, je ne voulais pas ni un verduré, ni un chyprès. Je voulais quelque chose de poudré, une odeur d'alcôve, d'amour. Et donc, il commence très fleuri, les notes du haut. Il y a de la rose nacrée, il y a de l'iris, il y a de la tubéreuse, et puis il y a des notes de fond qui sont avec un peu d'ambre et du musc blanc très extraordinaire. Et c'est ça la touche animale, parce qu'il faut aussi cette chose un peu ambiguë du parfum qui vous amène ailleurs, où il y a une sorte d'arrière-monde. On se dit, oh, il faut être emporté, envoûté, c'est quand même du domaine de l'attraction. Robin Schlang, on disait que vous travaillez beaucoup avec Montboussin depuis quelques années maintenant. Qu'est-ce qui change? C'est-à-dire qu'avec Ariel Dombasle, on est toujours dans l'excellence. Non pas qu'avec Montboussin, nous ne soyons pas, mais on est encore un cran au-dessus. Bon, on est dans le luxe suprême. Ce qui ne permet pas... Tous les parfums Montboussin font partie de la parfumerie sélective. Ce sont des parfums grande consommation. Et là, on est passé sur ce qu'on appelle la parfumerie de niche. C'est-à-dire qu'on réhabilite le jus, on s'occupe vraiment du jus, enfin on appelle ça le jus, le parfum, quoi, ce qu'on met dedans. Bien sûr. Le jus avec des matières premières très très luxueuses, et donc c'est comme un joyau. Je voulais quelque chose, on me dit, ah tiens, mais on dirait une potion magique. Oui, parce que ce petit flacon en cristal taillé, comme ça on le met dans sa poche, on en met quelques gouttes, puisque c'est cher, mais pas tellement, parce que c'est essentiel, c'est vraiment...
de la fleur, c'est pas un produit artificiel. Donc le prix des matières premières, il est 10 fois plus élevé que le prix des matières premières dans tous les parfums qu'on trouve en distribution. Et oui, c'est ce qui explique cela. Donc vous avez travaillé un petit peu différemment, vous travaillez aussi beaucoup avec Mobius, Robin Schlang. Aujourd'hui, votre société, Lorient, c'était un beau challenge, une belle nouveauté. Est-ce que ça vous a donné envie, comme ça, de travailler avec d'autres personnalités, de faire d'autres expériences un petit peu différentes? On verra. Je n'ai pas comme focus d'aller chercher les personnalités. Non, mais il a été très audacieux, oui. Très audacieux. Et c'est vrai, vous dites qu'en Amérique, les grandes stars ont leur parfum. Mais c'est, en Amérique, c'est souvent aussi un système d'égérie. Oui. C'est-à-dire qu'on vous donne 400 000 dollars pour être le visage d'un parfum et que vous ne portez même pas. Moi, il y a la vérité. Oui. Tout le monde adore ce parfum et j'ai voulu... grâce à Robin, réaliser cette chose, mais c'est comme un secret d'alchimie et c'est une potion magique. Et quelles sont vos ambitions avec ce parfum? Est-ce que vous souhaitez qu'il conserve, je vous pose d'abord la question à vous, Ariel, est-ce que vous souhaitez qu'il conserve quand même cette exclusivité finalement, donc qu'il soit porté par quelques-unes, mais pas par tout le monde, ou est-ce que vous aimeriez le partager? Au début, on s'est dit qu'on va faire simplement 2000 flacons de luxe. Tout à fait. Voilà. Et que c'est comme des objets de collection absolument extraordinaires qu'on a envie d'avoir, voilà. Et puis, je ne sais pas. dans le commerce, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Ah bah, c'est ça, c'est ce qu'il faut se dire. Justement, aujourd'hui, comment vous partagez, ça vous a occupé pas mal de temps quand même, cette magnifique histoire, Robin Schlang. Le prochain Mamboussin, il sera pour quand? Parce qu'il y avait Promise Me, du coup, allez vous repencher un petit peu sur la suite. On sort un parfum homme au mois de septembre. Equalis. Non, ça m'a pris du temps, mais c'est notre métier, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Il faut du temps, de toute façon, pour créer un... J'ai une équipe. Dans mon entreprise, j'ai une équipe. J'ai du design en interne, j'ai des services achats, services marketing, services de vente. Donc, on est outillé pour faire tout ça, quoi. C'est pas... C'est ça. Vous faites vraiment tout, hein. C'est ce que vous dites. Le design, le marketing, la commande aux fabricants, la réception des produits, les stocks, les expéditions. C'est important parce que vous avez des concurrents d'importance, quand même, dans le secteur. Donc là, c'était une belle histoire. C'est une magnifique carte de visite. On s'en souvient que vous aviez un petit peu peiné après le départ de Courage, après votre divorce avec Courage. Aujourd'hui, est-ce que vous sentez finalement que vous allez vers un nouvel élan pour votre société Lorient? Tout à fait. Déjà, les parfums Mamboussin sont en croissance depuis 3 ans de 30%, donc on a vraiment rencontré notre public. Et puis ça, c'est une super expérience qu'on a fait avec le cœur, sans trop réfléchir à toutes les imbrications marketing qui vont découler. Et voilà. Et on a une merveilleuse campagne aussi, des très très belles photos. On a par Leonardo Marcos, on a cette idée de l'alcôve. Ce qui est bien avec Robin, c'est qu'il accompagne le parfum aussi. D'une visibilité, des dos de kiosques, et ce n'est pas de nouveau artificiel, ce n'est pas une égérie marketing, c'est la vérité de ce secret. Et c'est ça, je crois, c'est dans la réalité des choses, dans la vérité des choses qu'on a notre puissance. Qu'est-ce qui vous a plu, Ariel Dombasle, dans cette nouvelle expérience de création? Parce que la création, vous y êtes tout le temps, depuis des années, oui. Vous avez déjà fait beaucoup de choses. Oui. Qu'est-ce qui vous a plu, ou même vous a déplu? Parce que du coup, vous étiez aussi confronté à une entreprise, à des questions peut-être de comptabilité, de business. Je dois dire que pour moi, c'est vraiment la réalisation d'un rêve d'enfance. Et il me semble que le parfum, ça évoque vraiment la signature de l'être. C'est vraiment quelque chose, c'est à fleur de peau. Il n'y a rien de plus beau sur la terre que les fleurs et leurs arômes. D'ailleurs, depuis le Christ, qu'est-ce qu'on apporte au Christ? Les rois mages apportent du parfum, de la myrrhe, de l'encens. C'est quelque chose de très spirituel aussi. C'est quelque chose d'évocateur. Sauf que là, vous l'avez rendu concret. Vous êtes aperçu de tout le travail que ça représente. Est-ce que vous imaginiez? Non, je savais parce que j'ai mis 10 ans avant de rencontrer la bonne personne. Robin et la maison Mamboussin et Anaïs, et que cette conjoncture puisse donner le parfum. Mais ça a été très difficile. C'était un cheminement très difficile. Je suis allée beaucoup dans les laboratoires à Grasse. J'ai rencontré beaucoup de nez. J'ai essayé de faire ça vraiment comme une investigation profonde.
Alors désormais, j'allais dire, non, la deuxième histoire commence, parce que maintenant que vous le délivrez finalement voilà. au public, son histoire commence véritablement au secret d'Ariel. Ceci dit, vous avez le temps de faire encore un peu de musique, vous travaillez. Ah ça, toujours. Toujours, bien sûr, la musique, mais vous savez, on a les mêmes mots en musique, les notes. Les notes du parfum, c'est comme les notes de musique. Ce sont c'est un art, le parfum. Et d'ailleurs, c'est un art vraiment français. On peut dire que la France, c'est le pays des parfums. On peut pas dire ça d'un autre pays. Et c'est extraordinaire de faire son parfum en France. Et y a cette évocation de toute cette très, très grande science de la parfumerie en France, et ça c'est merveilleux. Alors juste pour la suite, quels sont vos prochains projets musicaux? J'ai lu ici prochains... et là qu'il y aurait bientôt quelque chose de nouveau. Oui, absolument, il y a la sortie au mois de mai de La Rivière Atlantique, un EP, c'est-à-dire quatre titres qui vont, voilà, quatre titres, c'est des ballades romantiques, le romantisme noir. Là, je ne sais pas ce qu'on voit. Je ne sais pas non plus. Alors, donc, du coup, vous avez laissé de côté le rock metal. C'était pas du rock metal, hein. C'était du rockabilly. Mon disque French Kiss, donc mon dernier concert était à La Cigale, juste avant, hélas, la tuerie du Bataclan. On a été le dernier concert. Oui, c'est les mêmes propriétaires, le Bataclan et La Cigale. Et donc, avec les Hillbillies, donc ce disque French Kiss, non, c'est la continuité, mais cette fois-ci, ce sont des ballades du romantisme noir. Voilà, et c'est le garçon Nicolas Kerr, le compositeur qui était avec moi sur French Kiss, voilà, qui a composé pour moi La Rivière Atlantique. Donc votre prochain bébé, après Le Secret d'Ariel, ce sera au mois de mai. Il faudra donc attendre encore un petit peu notre petit questionnaire sur Paris. Goût de luxe Paris, Paris en question. Ariel Dombasle, quel est votre plus grand luxe, justement, à Paris? Je pense que mon plus grand luxe, je peux tout de même encore l'appliquer. C'est les promenades à Paris. J'adore marcher à pied. Et Paris est une des capitales du monde où on peut faire les plus jolies promenades. Et donc pour moi, quand je traverse les Tuileries, quand je traverse le Pont des Arts, quand je rejoins la rive gauche, quand je vais dans le quartier de la rue de Beaune, tous ces quartiers secrets de Paris, c'est mon grand luxe. Rodin Chelon, quel est votre quartier préféré? Le 6e arrondissement. Définitivement. Ça fait 2 ans que j'habite là-bas. Je vous confirme que c'est mon quartier préféré. Et quel est votre monument préféré, Ariel Dombasle? Je pense que c'est l'Académie. L'Académie. Parce que justement, quand on traverse le Pont des Arts et quand on arrive sur cette architecture du XVIIe siècle, là, vraiment, le grand classicisme français, avec ses fenêtres oblongues comme ça, les proportions tellement belles de l'architecture... C'est mon monument préféré. Et les dernières questions, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous agace, Rodin Chelon, à Paris? La circulation Non, mais j'aime bien Paris, moi. Je sens que vous avez envie de répondre quelque chose. Il y a quelque chose qui vous agace dans la question? Non, je trouve que ce qui peut être agaçant, c'est que on ne soit pas attentif à la grande jouissance, à la grande beauté que nous procure Paris, qui est unique quand même dans le monde. Bon, on va le garder comme conclusion. Merci beaucoup à vous, Ariel Dombasle, Robin Chelon, PDG et cofondateur de L'Oriance. Et on rappelle Le Secret d'Ariel à découvrir donc désormais dans les boutiques Mauboussin. Merci beaucoup à tous les deux. Voilà, il est très beau, regardez, il est dans un théâtre. C'est très très beau. Tout doré. Oui. Merci beaucoup à vous.